Donc, Backroom Rec, c'est le titre du jeu de ce soir. Ça se passe dans les backrooms, comme vous le voyez. C'est censé être le plus gros jeu backroom qui ait jamais existé en termes d'horreur. On va vérifier ça tout de suite. Bah allons-y les croisants. Ok, on se réveille. Putain, c'est tellement réaliste. Les jeux d'horreur, ça devient flippant à quel point c'est... À quel point ça devient photoréalistique, hein. Bordel. Waouh, la qualité du jeu. On peut courir. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord. Non mais d'accord, ok. Non mais je viens de passer 3 secondes sur le jeu, regardez-moi ça quoi. Ok, ça annonce la couleur, je vous le dis. Ça annonce la couleur directe. Oh, les, l'eau et tout, les reflets. Oh là là. Le son du jeu, ça va? Oh, mais rien que le début, passer entre deux murs comme ça. Oh, je suis tombé. En fait, les backrooms Lyon, c'est un endroit paranormal infini. C'est-à-dire que les gens tombent là-dedans, tu vois, comme lui, il est tombé dedans. Il n'y a aucune sortie possible. Et du coup, tu deviens fou parce que t'as que des murs, des lumières, des couloirs comme ça. Et très souvent, il y a des choses qui rôdent là-dedans et tu sais pas quoi. T'entends des bruits, tu vois des ombres, t'entends des craquements, tu vois des trucs passer. T'es en mode, mais qu'est-ce qui... Et tu deviens fou en fait. Et c'est là tout le pouvoir des backrooms, c'est que c'est une peur différente des autres peurs. Parce que tu sais pas ce qui t'attend. Regarde, tu vois, genre là, là-bas, dans le coin, il y a un truc, tu vois, tu sais pas. Du coup, tu vas voir. Ah, tu sais pas trop, tu vois, t'es un peu dans l'inconnu, là il fait sombre, du coup, t'y vas pas. Allez, c'est parti. Bon, alors, du coup, je sais pas du tout où aller. Hein. Ça aussi, faut le savoir, hein, là. Backroom, c'est un peu labyrinthe, les croisins. C'est que tu sais pas trop où tu vas, quoi. En tout cas, c'est méga bien fait. Coucou, sombre pine. Ah, t'arrives presque à l'heure. Tu t'améliores. Non, on vient de commencer. Le jeu, on a commencé il y a 2 minutes. Ah, du coup, on peut zoomer avec la caméra. Ça, c'est cool. On peut zoomer et dézoomer. Elle est vite. Ah là, il y a un. Oh putain. Ça fait toujours quelque chose d'aller dans les backrooms. Hein. Oh! C'est le Game of Thrones version backroom. Putain, elle est immense cette chaise. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. What? Draw your fear? Attends. Draw your fear, pass lonely. Dessine ta peur. Il y a quelqu'un qui a dessiné ça sur le mur. Oula, on a ramassé quoi là? Salut, bienvenue à toi. Sacré pseudo. On a ramassé un truc. Je sais pas ce que c'est. Le soleil. On peut ramasser ça. On peut le jeter. Allez. Putain, c'est immense, bordel. C'est immense. Salut Max! Comment il va? Comment il va le Maxou? Mon instinct me dit d'aller par là. Il y a une porte là-bas. Bah ça va très bien Max. On vient de cette porte ou pas? Attendez. Est-ce qu'on vient de cette porte là? J'ai un doute. Mais pas du tout.
Attends, on... Ça vous parle ici? Avec la lumière qui clignote là? Moi ça me parle pas les crozes. Non, moi ça me dit rien ici. Ah oui, j'avais baissé le son. Attends, faut peut-être que je augmente un peu ici. Waouh! Ouais, le plafond il part en lambeaux, t'as vu? Ken Pixel est dans la place, putain, mais t'as la ref, c'est bien, Max. Ça a l'air immense, les crozes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'art. Ouais, Xelfir, oui, c'est vrai, regardez. Il y a l'option microphone. Attends, c'est où que t'as vu ça? Là. Ici, option microphone. C'est-à-dire que le jeu, il m'entend parler. Donc ça présage rien de bon. Ouais, effectivement, bien vu. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas de lampe torche pour le moment. Peut-être qu'après, on en aura. Ouah, ça commence à devenir bizarre les endroits là, regardez. Regardez l'architecture. Moi, à chaque fois, je m'imagine être là-dedans. Mais fort, tu vois, je m'imagine vraiment être à la place du mec. Imagine, t'es là, tu déambules. Oh, il y a eu un bruit. Les crozes, il y a eu un bruit. Tu déambules dans des couloirs comme ça. Et à chaque coin de mur, à tout moment, ça peut te sauter à la gueule. Pourquoi quand je parle, tout se réalise à chaque fois? On vient de me jeter un ballon. Attends, si on me le redonne... Ok, j'y touche plus! Je passe par là. Oh, je m'attendais pas. Tu sais, je le jette en mode... je vais le jeter. On me le renvoie. Oh, la violence. Je m'y attendais pas du tout. Ok, et j'y vais pas, c'est mort. Je passe par là, les crozes. Ah, il y a une entrée blanche là-bas. Bordel de merde, j'aimerais tellement pas être à la place du mec. Pour rien au monde. Le but du jeu, c'est en gros essayer de trouver une sortie. Essayer de sortir de, bah, des backrooms. Sauf que c'est tellement labyrinthique et cauchemardesque qu'il y a très peu de chances d'y survivre. J'essaie vraiment de jouer de la façon la plus réaliste possible, hein. Lumière verte là. Aïe 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 aïe. J'aime pas ce genre d'endroit ultra étroit. Trop étroit pour moi. Des escaliers. What? 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 Oh putain. Wow, mon cerveau. Oh, mon cerveau, il a fait un truc bizarre là. Attendez. On peut marcher sur les murs? What? C'est génial. Je peux pas aller là? Oh. Wow. GG à l'architecte en tout cas, il a fait du bon taf, hein. Oh, putain la vache, ça retourne le cerveau. Waouh, ah non, hey, c'est bizarre, hein. Et pas mal cette pièce. Y a quelqu'un? J'imagine que je dois aller par là.
Ouais, ça doit être ça. Pour l'instant, tout se passe bien, les Cruz. Dans le meilleur des mondes. J'ai bien dit pour l'instant. Vous le sentez le monstre arriver ou pas là? Est-ce que vous le sentez le monstre arriver? Oh putain, encore des couloirs, toujours des couloirs, bordel. Une question qui retourne le cerveau. Où est le sol et où est le plafond? Oh non. Ça recommence. Un ascenseur? Un ascenseur? Ok, pourquoi pas. Il y avait un ascenseur qui nous attendait comme ça. Let's go. J'espère que c'est pas la fin du jeu. Non, c'est impossible. Ok, est-ce qu'on va arriver à un autre niveau? Ah, là, ça me plaît. Wow! Wow! Changement d'ambiance? Oh putain! Ah ouais! Oh et les violents storages! Bon là je cours les creuses. Non non, Lyon, on est toujours dans les backrooms, crois-moi. On n'est pas du tout sorti. On est toujours dedans. Oh, il est là. Oh putain, vite, 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 vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Vite, dépêche-toi. Allez. Ah, une lampe torche. Je prends la lampe. Oh, c'est tellement réaliste, putain. Let's go. Ferme-toi, ferme-toi. Bon, et ben voilà, il était là. Oh, il était flippant ce niveau. Par contre, on a récupéré une lampe torche. Attends, est-ce qu'on l'a? Oh, yes. Ah, c'est tellement réaliste, putain. C'est tellement bien foutu. Ouais, je suis de retour au niveau 1. Non, je pense pas qu'il faille... Oh putain, hé. Tu tombes là-dedans. Putain, la vache. Bou. Je suis monté à 73 là, avec tes conneries. Merci Miss Léa. Merci pour les 3 euros. Je disais, tu tombes là-dedans. Bah qu'est-ce qui reste de toi, au final? À part une misérable crêpe. Dono, merci pour les 100 bits. Merci beaucoup. Pour te détendre. Oh, c'est gentil. C'est vrai que les bits me détendent. Bref. Continuons. J'espère que personne n'a compris cette blague. Ma réputation est en jeu. Ok, on continue. Oh là, attendez, ça change. Les murs deviennent blancs. Attendez.
Il se passe quelque chose. Oh. Oh, on dirait un musée, mais sans tableau. C'est un musée, mais vide. Hello? Il manque une lumière, là. Une échelle? Putain, c'est tellement bizarre, bro. Oh, 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 oh. Les crocs, je viens de le voir. Je viens de le voir passer là, 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 là. Il vient de passer juste là. J'y vais pas, c'est mort. Il vient de passer à notre gueule. Putain, encore cette tapisserie dégueulasse. Au secours. Oh putain, il y a eu un bruit. Vous l'avez pas vu? Il est passé devant nous. Enfin, un peu loin, mais il est passé quand même. Attendez, parce que là... Là, il peut être n'importe où. C'est beaucoup... Ah, attends. Là, il y a une porte. On vient de là ou pas? C'est quoi ici? Je crois que c'est par là. Je sais plus. Mon cerveau, il est cramé, là. Je commence à devenir zinzin, là. Est-ce que quelqu'un pourrait me ressortir la blague de Toshi? Bah, c'est trop tard, là. On n'est plus dans le mood. Non, j'oserais jamais la ressortir en plus. Tu regarderas la rediff. Oh là 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 là. Ah putain, Lily, elle l'a sortie, il fait chier. Lily, tu m'as trahi. Lily, tu es une traître. Oh, il fait sombre ici! Regardez si j'éteins. Oula, c'est quoi tout ça? Il s'est passé quelque chose ici, non? What? Je suis censé aller où là? Ah là, il y a une porte, ok. Il y a plein de casiers, de chaises ici. Bizarre, des cartons aussi, des papiers. Ok, on sait pas trop ce qui s'est passé. J'aime tellement ce... Oh là, putain, le couloir, il est énorme. Non, tu deviens fou. Eh, les crocs, je vous le dis, hein, un endroit comme ça, tu deviens zinzin. Je te jure, hein. Tu deviens taré, vraiment. Hein. Encore si t'es avec un pote à toi. Encore, vous êtes deux dedans. Ça passe. Mais tout seul, comme ça, là? Non, 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 non. Jamais de la vie. Jamais. T'es fou, quoi. On est dans une espèce de ville énorme. Les backrooms laissent des séquelles psychologiques à Skip. Ah oui, non, mais je suis pas étonné, hein. Bien sûr. Il faut être fou pour jouer à ça, les creuses, je vous le dis. Il faut être encore plus fou pour regarder quelqu'un jouer à ça. Ok, le couloir est terminé.
C'était très intéressant. Oula. Alors, les flèches me disent d'aller par là. Et pourtant, on se doit aller là, les creuses. Est-ce un piège? Intéressant. Très intéressant. Oh putain, j'ai cru que c'était le monstre, mais c'est juste une caméra. Tout va bien. Non, Lyon, je te jure, quand tu rentres dans les backrooms, personne vient te chercher, c'est ça le truc. T'es sûr d'être mort. Y'a quelqu'un? Eh oh! Je crois que je peux tomber en plus, hein. Si je fais pas gaffe, je tombe. Hein. Oh là putain, il fait noir là. Ah, oh, j'aime pas ces couloirs sombres, ça me rappelle une sale période là. Ah, ça rappelle des mauvais souvenirs ça. What? Il y a eu un bruit. De type très aigu. Ah, j'aime pas passer là-dedans, putain. Faites qu'il se passe rien. Gauche ou droite, les creuses? Je vais prendre à gauche. C'était quoi ta question, Vanika? J'ai pas vu. Et une fois de plus, une salle remplie de couloirs. Putain, c'est infini le bordel. Eh bah putain. Oh, attendez, ça monte là. Ça monte! Il y a eu un bruit! Putain, le moindre bruit là-dedans, t'es en panique. Hein. C'est incroyable. Bon, on n'a pas vu le monstre depuis au moins 10 minutes, là, ça m'inquiète. Pourquoi on le voit plus? Il est derrière nous? Pourquoi on voit plus le monstre? Il est où cet enfoiré? Il est où cet animal? Pourquoi tu dis ça, Sarah? C'est pas cool. J'espère que le monstre va bientôt attaquer. Vous voulez ma mort ou quoi? Ah, qui m'accompagnerait dans les backrooms? Moi, j'y vais pas toute seule, Toshi. Ah, bah, moi, je viens avec toi. En vrai, Vanika, si on est à deux. Par contre, je garde la lampe torche. Je veux bien venir avec toi, mais je garde la lampe torche. Oula, c'est quoi ça là-bas? Une porte rouge? Pourquoi c'est tout rouge? Je passe devant. Je t'accompagne si tu passes devant et que tu te sacrifies pour moi. Vous avez raison, hein. L'instinct de survie. Hein. Ah oui, tu deviens claustro. Et si t'es déjà claustro et que tu finis là-dedans...
Ce n'est point fini. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit sur le mur là. Isis, est-ce que c'est. Ah, est-ce que c'est réel? Aidez-moi. Bon, eh ben, je crois que le cauchemar commence. Bonsoir. C'est ici le cauchemar. Ah! C'est ici le cauchemar! Oh! Oh putain! Oh putain! Oh punaise! Oh! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Pap 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 pap. J'adore parce que c'est au moment où je dis coucou, c'est ici le cauchemar. Bah, l'enfoiré. Il m'a bien eu. Ah la vache. Il est tellement bien fait. Ah, le jeu m'entend. Mais Dono, c'est vrai, il y a le micro qui va. En fait, depuis tout à l'heure, je parle, du coup, il m'entend, c'est ça? Eh ben, qui vienne cet enfoiré, moi je l'attends. Oh putain, le revoilà, le revoilà, le revoilà, le revoilà! Oh, j'ai cru que c'était devant, mais c'est derrière! Oh là là! Oh le cri! Oh le cri du démon! Tombe là-dedans! Ah, le cri donne des frissons de fou. Je suis mort? Il est énorme ce jeu. Il est ultra bien fait les crozes. C'est la fin ou pas? Oh non, je veux pas que ça se finisse hein. Non, 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 j'en veux encore. J'en veux encore. Non! 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 Non, je suis pas d'accord, les crozes, je suis pas d'accord. J'en veux! J'en veux! Oh! Ah non. Oh, j'y ai cru, putain. Je me suis dit, c'est pas fini. Pour te consoler. Merci Dono, merci pour les 100 bits, merci beaucoup. Oh non, j'ai le seum. Necroz, on trouvera jamais un jeu aussi bien là. Bon, en tout cas, Exelfir, très bonne recommandation. On est sur un jeu qui a un potentiel énorme, mais énorme. Tu sens vraiment qu'il a été fait avec soin. Ils l'ont pas fait à la va-vite. C'est... Chapeau, hein, 10 sur 10. Ouais, pour un accès anticipé, il était très très bon. Non, non, parfait. Franchement, parfait. J'ai adoré. J'ai adoré.